Salut tout le monde, c'est Isaac. Et aujourd'hui, je présente un petit test de Star Wars. Je vais parler de lui. C'est un jeu assez ancien. Mais bon, maintenant qu'il est devenu gratuit, on a décidé un peu de profiter. Donc c'est parti. Là, j'ai déjà créé le personnage. Par exemple, mon gratuit, t'as accès à deux races. Hein. Il y a les humains et un autre race. Hein. Les autres, il faudra payer pour les avoir. Bon, au moins, on dit du rang humain, quel que soit le numéro. Là, on va commencer. Bon, bien sûr, là, je vais découvrir le jeu avec vous. Hein. On n'a aucune idée du système combat, des quêtes et à quoi ressemble l'univers. Hein. C'est parti. J'aime bien les musiques du jeu, hein. Elles sont très sympas. Hein. Bon, on va chatter un peu. Hein. Ah, Padawan, j'ai entendu ta navette arriver. Je suis maître Siyo Bakin, du Conseil Jedi. Bienvenue sur Kiton. Voici le berceau ancestral de notre ordre. C'est ici que sont nés les Jedi et que les Padawan prometteurs achèvent leur formation. Tiens, voilà, il y a le système de réponse YouTube, un peu comme ceux de Mass Effect. Hein. Maintenant, on connaît bien la marque Fagi de BioWare. Hein. Voir l'endroit où sont apparus les Jedi, m'entraîner où ils se sont entraînés, c'est un honneur. Quel enthousiasme! Tu devrais bien t'entendre avec ton nouveau maître. Tes instructeurs m'ont dit qu'enfant, tu avais déjà une formidable affinité avec la Force. Nous n'avons pas vu ça depuis des décennies. J'espérais que ton nouveau maître serait là. Yuan a quitté son site de fouille pour revenir t'entraîner sur Kiton. Si Maître Yuan voulait vraiment s'occuper de moi, elle n'arriverait pas en retard. Un maître Jedi dispose rarement de son temps. Patience. Rappelle-toi le code Jedi. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a que la paix. Il n'y a pas d'ignorance, il n'y a que la connaissance. Il n'y a pas de passion, il n'y a que la sérénité. Il n'y a pas de chaos, il n'y a que l'harmonie. Il n'y a pas de mort, il n'y a que la force. C'est... Yuan, je commençais à m'inquiéter. Tu es donc arrivé sain et sauf, Padawan. Désolé de ne pas pouvoir mieux t'accueillir, mais on a déjà une crise à résoudre. Je suis à votre service, maître. Kiton recèle de nombreuses reliques Jedi anciennes. Récemment, nos chercheurs ont découvert plusieurs hologrammes d'enseignement. Mais on n'a pas encore fini de les étudier. Ces hologrammes sont peut-être d'authentiques enregistrements des fondateurs de l'Ordre Jedi. Ils sont absolument irremplaçables. Seulement, un groupe important de déchiqueteurs a commencé à saccager la région. Ces précieux hologrammes sont menacés. Est-ce qu'on peut protéger les hologrammes? Quelqu'un doit passer les déchiqueteurs et récupérer les holoprojecteurs. Je compte faire de ce devoir le premier de ta formation.
Non, Yuan, vous ne pouvez pas envoyer un padawan contre des déchiqueteurs, même pour de tels artefacts. Un padawan qui avait à 4 ans plus d'affinité avec la force que moi à 15. Les élèves doués doivent relever des défis plus grands. J'espérais bien que vous apprécieriez mes capacités à leur juste valeur. L'orgueil et l'excès de confiance ne sont pas des qualités de Jedi. Les hologrammes se trouvent dans les Narls. Attention, cette région a ses propres dangers. Si jamais tu rencontres des difficultés, contacte-moi avec cet holocommunicateur. Quand tu auras les hologrammes, retrouve-moi au Temple Jedi. Nous avons beaucoup à nous dire. Et c'est parti. Bon, là, j'ai aucune idée où je dois aller. On verra où est-ce qu'on va se rendre. On fait un petit salut encore. Sinon, j'ai remarqué un truc, les gens qui sont sur les serveurs privés, ils sont très bavards, alors que sur les serveurs officiels, même s'il y a beaucoup de monde, mais il n'y a personne qui peut pas. C'est juste bizarre. On est dans des guinaries en taxi. Ah oui, il faudra prendre un taxi, c'est ça. Où est-ce qu'on va prendre un taxi? Ah, y'a rien. Là, on n'en plus y'a rien. Tiens, il y a une fille, chose qui est très rare. Incroyable, on est juste au début. Ah, voilà les taxis où ils sont. Ah, tiens, c'est sympa. Bon, je suis pas là, ce gars. Rappel, les voyages motorisés sont réservés aux affaires officielles. Ah bah voilà. Ah oui, c'est cool ça. Putain. Mes premiers 30 points d'expérience. Allez hop. Je parie que là il y aura beaucoup de monde. Ok, il y a des gens qui sont en train. Ah voilà, pour la première.
Début du protocole d'activation. Après un long silence, quelqu'un vient enfin. Je suis Garon Jard. Il y a des milliers d'années, j'ai fait partie des fondateurs de l'Ordre Jedi. Des déchiqueteurs sont ici. Votre holoprojecteur est en danger. Je viens pour le sauver. Protéger sans combattre. Un trait que je voulais au centre de nos croyances. Les Jedi ont peut-être changé, mais la paix galactique demeure l'un de nos objectifs. Fin du protocole d'activation. Bon vent. Il y a un truc cool. Thank you.
faire demi-tour, hein, comme ça je fais tout. Bon, je sais pas ici, il faudra apprendre l'esquive ou bien ça s'apprend automatiquement, bon, on verra après. Hein. Donc je continue voilà. C'est souvent un petit peu ennuyeux les missions du début des noms en fait. Début du protocole d'activation. Ah, quelqu'un d'autre vient écouter. Quand l'Ordre Jedi a été fondé, moi, Calabrine, j'ai déclaré que nous devrions nous consacrer à la justice. La justice ne peut être rendue dans l'émotion. Nous, les Jedi, nous pouvons ignorer nos passions pour chercher la vérité sans crainte ni préférence. Le projecteur de cet hologramme est menacé. Je suis ici pour le récupérer. Alors, fais ce qui est nécessaire. Cela aussi fait partie de la justice. Fin du protocole d'activation. De graphique, c'est toujours en vrai. Quand tu les as mis seul, c'est 2 heures. Début du protocole d'activation. Un nouveau Jedi vient pour apprendre. Excellent. Je suis Tess Seldon, gardien des récits, fondateur et historien de l'Ordre Jedi. Je nous ai vus devenir les gardiens du savoir et des secrets. Nous, les Jedi, protégerions la sagesse de la galaxie. Je suis venu récupérer le projecteur de votre hologramme. Il risque d'être détruit par les déchiqueteurs. Ah, sauvez ce qui risque d'être perdu à jamais. Merci. Fin du protocole d'activation.
la dernière. On va sauver les filles. Ah, c'est un gars. Maître Yuan, j'ai un problème. L'un des holoprojecteurs a été volé. Volé? Mais les déchiqueteurs ne volent pas, ils détruisent. Je me penche là-dessus. Si tu as les autres hologrammes, retrouve-moi au Temple Jedi. Je t'envoie des indications. Et je t'en prie, Padawan, sois prudent. Non, je vais essayer de tuer les déchiqueteurs. La merde. Si je savais, c'est pas d'homme. Tant qu'on y est. Hein. L'enfant, il l'a sauvé à un moment. Putain. Oh, on laisse tomber, on va se téléporter rapidement. Merci, c'est bien fait. Voilà. Là, c'est bon. Il y en a qui ont des sortes de jets volants dans la chose. Je suis ravi de partager mes connaissances avec la jeunesse. Ah, j'ai pas assez de temps. Au revoir, jeune Jedi. Je suis pas encore familiarisé avec les menus là. Bon, faudra en prendre le taxi. Salutations. Vous avez accès aux itinéraires suivants. C'est une petite chute de frein.
Bon, tiens, regardez, lisez ça. Putain, il y a vraiment des petits boulets. C'est un peu ça le truc pourri dans les jeux gratuits. Salutations. Vous avez accès aux itinéraires suivants. Faites attention à vous. Ah ok, donc il faudra que tu reviennes. Les voyages motorisés sont réservés aux affaires officielles. Pareil, il m'a bien volé moi aussi, ce gars. Lui, c'est les autres. Ah oui, il a pris les pas. Personne. Je continue le chemin.
voilà. C'est quand même bien de ne pas pouvoir courir. C'est le manque de l'emploi. Personne ne parle dans le château. Alors. Frame rate.